Et salut à tous, c'est à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de... Merci la souris. De Ori and the Blind Forest. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Oui c'est... Donc on va juste regarder vite fait. On va aller par là-bas, ça paraît être une bonne idée. Puisqu'on avait fait les profondeurs... On était juste pas allé à gauche, je crois. Si, pourtant je crois bien qu'on y était allé. Non, on n'y était pas allé. On n'y était pas allé parce qu'il y avait une raison que... Enfin, si, on était allé, pardon. Mais j'avais laissé fermer parce qu'on n'avait pas pu vraiment faire grand chose. Là, maintenant, il va falloir que je fasse des... Aïe. Ok. Hop, hop, voilà. Donc à gauche, c'est quoi? À gauche, c'est quelque chose. Merde. Il n'y a pas moyen que j'arrive à atteindre. Hop, hop, hop. Hé hé. Alors attendez. On va faire ça parce que je sens le décès. Donc. Fission de la blasphème. La plupart des bonus sont récupérés automatiquement ou la création d'un lien d'âme rétablit deux cellules de vitalité. Intéressant. Sauf qu'on va faire ça. Voilà. J'ai bien fait. Je vais regarder ce que du coup. C'est ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Juste pour me rétablir une petite. Ça pour ça. Oh, je peux même rester là. Ah non. Putain, mais ça me fait mal hein, en tout cas. Son... Oh là là. Oh putain. Bon, attendez. Ah oui, d'accord. Ouais. Là, je suis full life. Merde. Donc comme ça, je suis plus full life. Ah putain, bon y a pas moyen à mon avis, c'est mort. On va juste essayer de... Bah non. Va aller là. Bah si on peut y aller. Voilà. Putain. Oh. Ah. Non, putain, c'est chiant. Attends, on va attendre le prochain. Non, non, c'est bon, c'est passé. Fail. Ça marche pas. Bah de toute façon, il faut que je remonte.
Là, je pouvais remonter par là. D'ailleurs, ça monte encore. Ah oui, du coup, oui, avec les trucs qui touchent deux fois plus facilement, ça peut être utile. Ok, donc j'ai pris qu'un seul point de dégâts. On peut monter. Je suis pas sûr de pouvoir pour l'instant, parce que j'ai pas une... Et ça soigne pas, c'est dommage. Voilà. Et on va pouvoir soigner donc l'arbre. Voilà. Bon, j'ai pris un dégât, c'est pas grave. L'arbre, où es-tu? Il est... Bah, je suis à côté. Il est là. Pourri de l'intérieur. Les eaux de Nibble se déversent autrefois dans cette... Déverser, pardon. Mais le voici désormais mort et creux. Pour qu'à nouveau jaillisse l'eau, il nous faut trouver le cœur de l'arbre Jinso. Pas re-rentrer parce que j'imagine que c'est la suite. Oh, intéressant. Nouveau game. Enfin, nouvel élément. Gameplay. Le TP. Ah, ok. Ok, ça va être assez chaud, je pense. Ouais, non, ça fait que 7 minutes. Oh putain. Non, putain. Alors, attendez. Il m'a trompé. Voilà. Il nous régène un cœur déjà, c'est cool. Target pas ça, ok. Donc je ne peux pas les démonter. Ok. Il va falloir. Bon, sol instable, je vais t'en foutre, mais du sol instable. Hop. Non. Donc pas. Voilà. Juste faire un point de sauvegarde ici. Ça nous régène full life et surtout on est bien. Intéressant. Ah putain. Bah ouais, mais bon. Il y a des pics partout aussi. Ah putain. Ah, ça va être chiant en vrai. Comment veux-tu que j'aille choper le téléport? Là déjà c'est assez simple. On va faire un point de sauvegarde. Ok. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il y avait un autre téléporteur et il m'intéresse. Bah oui bien sûr.
Là je vais décéder hein. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Il est mépris. Ah, on a avoir besoin. Même pas de dégâts. Alors, comment que ça marche? Là, on va. Oh putain. Oh putain! Oh là là! Ah non, là je. Ah, c'est rageant. Très. Parce que disons que c'est pas. Enfin, tu sais pas le chemin forcément, donc c'est pas forcément facile. Après, c'est pas pour. Oh putain. Non, mais en fait, je voulais. Voilà, je vais en faire un autre à côté. On va le faire là, la dame. Mais non, mais. Allez vous faire foutre. Mais putain, mais. Mais putain. Mais je suis même pas sorti du truc que je me fais déjà piquer, regarde. Mais regarde. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, j'aime beaucoup l'idée. Mais c'est franchement mal fait, je suis désolé mais là je suis vraiment déçu. Putain mais je suis même pas sorti du téléporteur, je me fais déjà piquer. Bah oui mais là décède hein, je vais rien dire d'autre, hein. Décède simplement. Putain. Je sais même pas si le truc me téléporte, je sais même pas comment il réagit. Oh là 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 là. Eh non vraiment. Je suis vraiment désolé pour. Putain mais. Putain mais vas-y quoi, saute un peu, enfin je sais pas. Oh là là, putain. Mais... Dans les autres, il y avait un rebord, là il y en a plus. Je sais pas pourquoi. Puis les pics qui te font 2 de dégâts obligatoirement. Génial. Allez, on va se concentrer, on va y arriver. Ou pas. Ou pas. Si monsieur ne dit pas se bouger. Non mais vraiment, là cette session elle est mal faite. Non vraiment. Je veux bien être mauvaise langue, mais quand même, là, il y a un moment. Non, et puis, il a tendance à s'accrocher aussi sur les murs, c'est génial. Ok, j'ai réussi. On va bien poser un point de sauvegarde, parce que j'ai pas envie d'y repasser. Hein. Bon. Fallait juste faire des double jumps à foison pour réussir quelque chose. Je sens très mal. Ouais, c'est évident. Alors, ok. Ah, ok, je viens de comprendre. Tu fail. Oh l'objet est plus vite. Et voilà. C'est très ingénieux après à ce niveau-là. Mais je suis quand même déçu par la petite phase juste avant. Voilà. Je déteste ce mob, vraiment. Allez, chien. Ok.
Ok, donc on a réussi le petit combat, c'est génial. Alors, on voit lesquels sont liés. Là, les deux sont liés. Évidemment, évidemment. C'est vrai que j'ai fait un point. Les deux sont liés, donc ça on le sait, mais le problème c'est que... Voilà. On va redescendre. C'est une blague, vraiment. C'est... Enfin, je sais pas. Je vais pas... Ok, donc là c'est bon. Point de sauvegarde. Et là... Hop. Voilà. Réussi. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? Non, c'est pas une bonne idée. Attends. Voltigeur. Nice. En fait, je pense que c'est ça, il faut vraiment utiliser le double saut à fond. Le problème, c'est que si tu le sais pas, bah tu le sais pas, c'est ça le problème. Oh putain. Ah, je suis là, pardon. C'est pas encore bien intuitif quand même, je trouve ça dommage. Ah, nouvelle compétence, on va la prendre tout de suite. Des cris de désespoir s'échappent de l'arbre ancestral. Rime était fragile et filée à toute allure à travers les airs. Écoute sa voix, ses paroles pleines de sagesse. Donc là on va pouvoir voler, c'est ça. Tu maîtrises la compétence frapper. Pour utiliser, appuie longuement sur Y près des lanternes ou de projectiles ennemis. Oriente ton saut vers la direction de ton choix et les projectiles seront renvoyés à l'expéditeur. Oh. Ah ok, nice. Ça y est, je comprends. Donc c'est pour ça qu'il y a ça. C'est pour nous aider. Ok, cool. Là par contre j'ai pas compris. Alors, en fait, le truc c'est que je ne sais pas quand l'activer exactement. J'ai bien compris qu'il fallait lutter. Ok. J'ai attaqué sur les ennemis et choisi. Ah. D'accord, ça y est, je viens de comprendre. Ok. En fait, il faut bien le faire prêt parce que ça se. Ah, nice. Ok, ça y est, j'ai compris. À peu près. Pardon. Vraiment prêt, donc voilà, là je viens de prendre des dégâts. Mais c'est pas facile. Là, on va bien sauter, et là. Hop, voilà. C'est ça, c'est que par rapport à tous les pro... Ah ouais, d'accord. Intéressant. Gameplay très intéressant. Franchement. Non, franchement, il y a de l'idée. Ça permettrait d'être assez intéressant. Alors, attends. Merde. Non. Voilà. Ça, je commence à comprendre l'ajout de gameplay et franchement c'est intelligent, franchement c'est très ingénieux et là il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc
Là, ça a pété ça. Et là, c'est bon. Voilà, donc là, franchement, il se rattrape. Non, non, mais les TP au départ, c'était pas une très bonne idée, parce que c'est vraiment pas intuitif. Hein. Vas-y, tire. Attends, je vais voir ce qu'il y a par là. Oh, mal visé. Mal visé encore. Ah, mal visé. Ah, il y a de la gravité, ok. Visé comme ça. Non. Il voudra pas. Ça y est, j'ai eu. Excusez-moi. Une cellule d'énergie en plus. C'est cool, on va juste créer un point de sauvegarde. Ah non, c'était pour remonter. C'est pour remonter. Très très intéressant comme système de gameplay, j'aime beaucoup. Donc là là faudra juste qu'on m'explique. Ok. Ah non, j'ai pas compris. Il y a moyen, je suis sûr, il y a moyen. Non, il n'y a pas moyen. On est obligé de prendre des dégâts. Alors là, ça y est, les TP dégueulasses recommencent. Non, mais non, il y a vraiment pas moyen, malheureusement. Ah, attendez, ok, je crois que j'ai compris. Ouais, on va suffire. Non, je suis pas sûr d'avoir compris. On va faire comme ça. Non, c'est... Non, non. Ouais, ça doit être ça, en fait, la technique, mais... bof. Moyen. Ouais. Non, moyen, très moyen. Très moyen. Alors, attendez, j'ai juste oublié quelque chose. Petite coupure. Voilà. Donc non, on va... Je suis sûr, il y a moyen de pas se prendre de dégâts, je suis sûr. Ouais, je sais si c'est ça. Obligatoirement un moyen de pas se prendre de dégâts. C'est bon. Là, ça y est, là concrètement, c'est pas trop mal. On va juste prendre des dégâts si je bouge pas. Mais il y en a, c'était quand même chaud. On va juste s'arrêter sur cette porte en prenant ça, ça là-haut. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis bah, je vous dis pour l'épisode 8 à la prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain. Et pour le prochain épisode de Life is Strange aussi, donc ce sera sûrement l'épisode 11 ou alors l'épisode 10, excusez-moi pour Skype, j'ai oublié de le désactiver, je me suis dit que ça passerait. C'est pas grave, en sachant que j'espère que j'aurai le temps pour tourner Remember Me aussi mercredi. Je suis vraiment désolé, il n'y en a pas eu de cette semaine parce que j'avais pas le temps. Et parce que bah, je pouvais pas. Et du coup, ben voilà. Du coup, je vous dis à plus.